3, 2. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Cadence au Férule. Je suis en compagnie de Titi. C'est moi, bienvenue à tous. La dernière fois, on s'était laissé au niveau du moulin. On n'avait pas franchi l'étage pour voir un peu le suspense et, de cet épisode-là. Du coup, je propose qu'on y va de suite. Yes. Allez, c'est parti. Décevant. Oh, c'est magique. C'est décevant. décevant. C'est pour ça, Coco, tu, oui. Tu dailles un peu là. Oui, bah écoute, hein, on mettra dans le titre décevant, au pire, c'est pas grave. maintenant, voilà, comment. Ok. Mais non, on pouvait pas descendre de là. Merde. Alors, ça, est-ce que. Non, t'as pas besoin de cœur. Après. Ah, mort derrière, mais attends, mais genre le mec qui se ramène en mode ouais, un donjon, tout ça. Mais non, mais j'y croyais parce que bah j'ai dû me tromper ouais, d'endroit. Pas du tout. Attends, du coup, la carte, qu'est-ce que dit la carte? Donc, on Elle peut monter. Allons-y, let's go, c'est parti, les amis. On va vers la gauche, je pense que c'est plus accessible. Ah non, on peut pas y aller vers la gauche. Bah, du coup, vers la droite et on monte. On peut pas aller vers la gauche? Bah, il y a un mur là. Oui, il y a un mur, ouais, mais au-dessus. Là, bah, écoute, on peut aller voir si tu veux. Bon. Ah, un vendeur. Je sais pas si c'est un vendeur. En tout cas, il y a une grotte mystérieuse. Mystérieuse. Ah, il y a une pierre chica. J'ai fait récupérer ta vie du coup. Ah ouais. Bon, au pire, bah, parce qu'il y a une pierre chica. D'accord. Du coup, au pire, si tu meurs là, c'est pas trop grave, parce qu'il y a moyen de te ressusciter. Par contre, il y a un mur en bas. Ah, attends, ici pour moi. Pardon, désolé. Bon, au moins, on a gagné un diamant. Et par contre, à quoi sert le truc qui est en haut là? Je sais pas. Tu proposes d'aller dans la grotte ou pas? Oui, bon, si tu veux, vas-y. Ok, bon, là, il faut éliminer du coup les ennemis. Faut pas tomber dans le trou. Parce que c'est du vide, et le vide, c'est pas bien. Ah, je me contournais parce que là c'est l'eau en profondeur. On peut pas y aller. Hop. Une tête de mort. Lui il a quand même pas mal de vie. Hein, le... Hop. Je creuse. T'as pas de magie de feu là Non, j'ai une magie de glace. Ah, je suis mort. Est-ce que la tête peut me faire des dégâts? Oui. Est-ce que je peux la tuer? Non. Ah, quoique, attends. Bah, c'est pas cette ennemi-là que je peux. Ah, aïe 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 aïe. Bon, au pire, c'est pas grave, on peut se téléporter, on a 4 diamants donc on s'en sort. Voilà. bah, fais le tour, écoute. Non, mais il est dégoûté de sa vie. Par contre, je vois pas comment est-ce qu'on peut allumer la touche. Un grand arc. Okay. Plus efficace que l'arc, ses flèches transpercent ses ennemis infligeant des dégâts à tous ceux se trouvant sur la ligne. ça va, Cortex hein? Non. Pourquoi on peut pas casser? T'as pas de pelle. Ah bah regarde, il y a une autre pelle là derrière. Oui, c'est triste hein. Oui, attends donc du coup. Oui. Tu essaies de tuer lui là? Ouais non, justement, je vais me barrer. Ok. T'avais un coffre à ta gauche hein? Ouais bah ça va, regarde. Ok. Merci. Hop. Tu veux qu'on retourne voir pour le coffre? Bah ouais. Là. Là, par contre j'ai pas de pelle, c'est-à-dire que je me retrouve... Ah non bah non, on a pas de pelle donc on peut pas y aller. Bon bah bon, tant pis, que ce pour sera des pour bottes, une... de toute façon. Ouais, ce sera pour une prochaine fois. Là on peut aller en haut. Je te propose qu'on y aille. Bah vas-y, lead de la... Montagne de la mort. Ça te rassure? Ah oh, non, encore t'as pas... Non... Hop, il y a une pierre Sheka encore. Je vais pas m'en plaindre. Et il y a. Est-ce que tu veux qu'on aille tout de suite dans la grotte qu'on a bien déverrouillé ou tu attends d'abord de tuer les ennemis? Je peux faire de tuer tout. Oh, mais d'où? Hop, je peux pas les frapper parce qu'ils sont en bas. Du coup, il faut trouver un moyen de franchir de l'autre côté. Ça va être un peu compliqué par contre. Bon, on va dans la grotte? Bah ouais, ça me semble. Peut-être qu'il y a la lutte. Ah, ça c'est trop bien ça. Et du coup, quand on utilise la lutte, on peut se téléporter n'importe où sur la map. Pas en game over, parce qu'en game over, il faut forcément atterrir sur une pierre Sheka.
Mais là, par exemple, la lutte, je fais ça. Okay, ouais. On peut se téléporter où est-ce qu'on... Enfin, là où il y a des pierres Sheka, du moins. Mais il y a un truc qui fait aussi que tu pourras te téléporter au-dessus. Comprends-tu? Du coup, pour aller à gauche, bah, je propose qu'on descende et qu'on... Ouais. Voilà. Et attends, du coup, tous les équipements qu'on chope, ouais, on les perd. Hein. Genre la lutte, l'arc, la bombe? Ouais. Non, on les garde pour nous. L'équipement qu'il y a là au niveau des croix directionnelles ou boucliers et tout, ça reste avec nous. Mais tout ce qu'il y a dans le menu en gros, en petit carré en haut, tu les perds. Donc les armes et tout, tu les gardes. Il y a encore une pierre Sheka, mais c'est ouf. Ouais. Je joue en facile, je pense. Ah oui, mais attends, il y a. On va à l'intérieur ou pas? T'as une pelle! Attends de. Ah, il faut d'abord tuer. Ouais, comme ça, on aura un diamant. Vas-y, mais fais une fin. T'es prêt? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors. Ah, une pause des potions, mais on n'a pas de flasque. Du coup, c'est un peu compliqué. Bon, bah, tant pis. Intéressant de toute façon. Il y a encore un ennemi. Pardon. Ah oui, il y a encore un ennemi là. Ok, ça commence à TK. Ok. J'ai pas fait exprès, hein. Au pire, tu me déposes une bombe si tu veux. La gauche, ça te va? Oui. Oh, toujours sous tes. Ah, t'as accéléré le tempo. Quoi? Non, impossible. Je suis... Tu vas faire ça chaque fois? Oui. Ah, y'a un marchand. Tu veux qu'on y aille? Non! Mais de toute façon, l'ennemi il reste. Ah, fragment de cœur. On prend? Bah écoute. Ok, donc il faut 4. T'es comme dans les Zelda, t'as 4. 4 ou 3? 4. 4 fragments de cœur à avoir. Ok, ouais. Pour avoir un cœur supplémentaire. Tu peux avoir une torche si tu veux, ou des bombes instantanées, et sûr. Les bombes instantanées, c'est vraiment. Instantané. Donc lui. Attends, et du coup, je l'ai perdu ma vision. Celle qui faisait que je voyais tout ce qui se passait, les objets et tout là. Non, tu l'as toujours. Ah bon? Bah oui. Pourquoi je les vois pas les... Bah si, on regarde, ils sont juste au-dessus du coffre. Là par exemple, là t'en vois. Ah oui, je... Ah, d'accord, mais en fait je regardais au niveau des buissons. Du coup, en fait, je le prends parce que j'ai pas de pelle. Ou à moins que ça t'intéresse de creuser en déplaçant. Oh, ça a l'air intéressant. Tu veux le prendre? Non, tout à l'heure. Bah oui, mais moi... Hop, merci. Pour une fois que c'est la princesse qui sert le... le pro chevalier. Aïe aïe aïe, il y a du monde. C'est vrai que la musique est sympa. Oui, t'as vu? Moi j'aime vraiment bien. Je trouve que t'as. Petite musique. Je trouve que au niveau remix, il y a eu pire, mais il est vraiment bien. C'est. Tu sais, il s'insiste pas trop sur le tempo, mais tu sais vraiment le rythme de la musique quand tu l'entends. Enfin, je surkiffe. Du coup, la personne qui a fait la musique du jeu, c'est le même que pour Creek of the Necrodancer. Et dans tous les cas, ce mec-là, il a fait aussi d'autres jeux, mais par contre pour de gros jeux, et pas que des jeux indépendants. Et il est vraiment excellent. Là, c'est juste que le projet du jeu avec Creek of the Necrodancer aussi, ça l'intéressait, du coup, il a fait. Par contre, lui, excellent, ça, derrière, War, hein. Bon, si, il y a deux ans. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, alors, là, à quoi ça sert? Il est là. Ça sert strictement à rien. Ah, à rien, mais en fait, si, mais il sera pour plus tard. On va vers la droite, à moins que... Attends, que dit la carte? Elle dit, c'est parti les amis. On l'a déjà fait au-dessus? Non, pas encore. Bah alors, pourquoi c'est découvert? Ah. Attends, oui, si, il faut déplacer la pierre. Voilà, pardon. Je suis un peu neuneux. Par contre, comment déplacer la... Là. Attends, si je fais ça, que je fais ça, ça revient pas. Tout à fait. C'est un problème ça. Il faut tirer les objets. Est-ce qu'on peut avancer ou pas dessus avec le rocher là? On peut faire un truc si tu veux. Tu peux le déplacer. Bon, après là, par contre, ça peut gâcher. Mais tu peux par exemple. Mais un ici, au pire, mets une statue là. Okay. Hop.
Hop. Va mettre une statue. Est-ce que tu peux mettre une statue là? Quelque part par là. S'il te plaît, Timothée. Non, je peux pas. Ah, alors c'est peut-être pas avec cette statue là, mais plus c'est une statue comme ça. Hop. Hop. Wonderful. Voilà. Et est-ce que là on peut. Est-ce que là la question c'est est-ce qu'on peut aller sur le rocher? Oui. Bon. C'est quoi qui est en dessous? De mettre une statue en bas, je sais pas, pour de me bloquer avec le vent. Si je fais ça, mince. Ok. Ah, regarde, tu vois, c'est parce que là je te bloque, donc si t'arrives à mettre un truc dessus. Vas-y. Non, je vois pas comment. Je trouve que c'est juste moi qui dois. Avec ton super arc. Attends, essaye de mettre descendre. Ah non non, mais non, il y a un rocher, donc je peux pas. Au pire, change de. Si tu peux changer de zone, comme toi, au pire, je me téléporte en vers toi. Pourquoi je. C'est quoi? Ah, c'est parce qu'il avait mis sa lance. Il faut juste attendre qu'il mette plus sa lance. Est-ce que tu peux juste changer de zone pour dire que je viens avec toi? Puis que je me téléporte avec toi. Non, tu peux pas changer de zone. Ce serait triste. Tout ce qu'on sur toi, tu m'as été trompé. Ok, merci. Mais d'où elle attaque en biais aussi l'autre là? Là, je sais pas comment on peut. Non, mais je peux pas en fait. Ouais, c'est bon. Ok, est-ce que du coup, c'est-à-dire qu'on peut pas y aller là maintenant, mais qu'on essaye de la descendre du coup? Ouais. On descend? Déjà, utilise le super loot et ramène-moi à la vie. Hop, voilà. Ok, donc là, on a 400. Regarde, ça fait ça, déplacer entre nous. Par contre, là, Bon, bah, j'ai perdu ma flèche. Parce que monsieur a été méchant. Là, il faut taper derrière. Pas parce que... Non, moi, je suis bloqué du coup. L'anneau. Et je vais m'appeler. Ok, cette chose. Hein? Par contre, là, je sais pas comment passer. Sans le faire. Tout prix, la grande. Là c'est risqué parce que c'est une bombe. Bon au pire on avance vers la gauche du coup. Parce que la carte, qu'est-ce que l'on dit la carte? Elle te dit bah on peut aller soit à gauche soit en bas. Oui, on a pas fait une zone là, t'as vu verte là. Oui, tu veux qu'on aille faire la zone verte aussi, ça te perturbe tant? D'accord, bon allez c'est parti pour la zone verte. Parce que sinon il y a un petit goût de genre inachevé je crois. Ok, bon. Après c'est rien de fou. T'as des petits ennemis là. J'ai pas vu qu'il y avait... Je pensais qu'en fait il y avait été derrière moi, mais en fait c'est juste un ennemi. C'est un peu. C'est différent si tu veux, si tu préfères. Moi je préfère dire Dugilos. Oh, de rire. Ah, tu vas aller là toi? Ok, bah écoute, peu importe hein. C'est toi le maître du jeu. Yes, un anneau de Meiru. Hop. Et pour l'instant, on s'en sort, hein, je trouve. Bien, et en plus, je t'ai sauvé. Oh là là, mais quel combo! C'est du jeu.
jeu d'équipe. Hein. Voilà. Attends, t'as pas de bombe. On a pu déposer une bombe là. Attends, je vais essayer de mettre des trésors. Les coffres et le fragment de cœur que vous n'avez pas encore trouvé sont désormais visibles sur la carte. Ok, attends. Bon, ça sert à rien. Et pourquoi on n'a pas de bombe, Corentin? Parce que tu les as. Parce que t'as passé ton temps à les balancer sur des PNJ. Tu vas aller où? Attends, en bas. Vers la... Voilà, regarde en bas, il y a deux coffres, Corentin. En bas? C'est deux fois plus de loot. Ah, regarde, attends. Là, on peut voir où sont les donjons. Regarde. Là, t'as une grande porte, là. Oui. Donc, c'est-à-dire que t'as une grande porte là, ensuite, il y a un autre donjon ici. Et une là. Ouais, mais on l'a déjà faite, ça, là, c'est le moulin. D'accord, ok. Le moulin avec le super boss. D'accord. Après, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris au moulin. Enfin, faudra qu'on... D'accord. Hop. D'accord. Non, t'es juste différent. Ah, t'es bloqué. Ça prend des petits dégâts comme ça. Ouais, bah toi aussi, hein. Parce que regarde, on passe pas ici, mais est-ce qu'on peut... Ah, il me voit pas, lui. Il est une pierre shaker, du moins. On attend la fin du combat. Prends la vision de l'autre. Il y a un Ruby 50, c'est une copière, en fait, c'est pas grave, ça fait toujours plus de sous. Et par contre, lui en haut, Ah, bah attends. Non, t'as toujours pas de bombe. C'est embêtant, ça. Attends, tu veux que j'aille? Toujours un ennemi quelque part. Ah oui, je le vois. Il a enterré le côté. Je veux dire, jouons à où est Charlie. Là. Où ça va? Ah oui. Voilà, c'est bon. Alors, c'est bon. Vers la gauche, je te propose. Ouais, ce serait bien qu'on s'arrête un peu sur un cliffhanger. Ouais. Bah, si on s'approche assez du donjon, pourquoi pas. Donc t'as encore allé vers le bas, puis dans les alentours, quoi. Attends, regarde, t'en as pas un, là, sur la droite? Juste où on est, là. Monte d'un là cran, et alors... Ah, si tu veux. C'est à droite? Ouais. Du coup, encore à droite. Descendre d'un, et après, ça sera sur la droite, ouais. Et on a 13 diamants. Ouais, mais parce qu'on est bon. Mais mon arme, l'arme du coup, pas du début parce que c'est pas vraiment du début, mais une des armes que tu peux avoir au début, mais je la trouve tellement pétée quand même. Parce que quand tu sais bien jouer, elle est vraiment très utile. Par contre, comment aller vers la gauche là pour tuer celui à la tour? Parce qu'on peut pas la monter, on a rien pour monter en plus. Et est-ce que... Regarde. Est-ce que je peux monter? Non, je peux pas monter. Ah, attends, il y a pas un ennemi là-bas. Il est isolé. Il est là, chef. Bon, bah, on pourra pas l'avoir celui du dessus, donc bizarre. Vas-y, je t'en prie. Iris, le donjon. Ah, monsieur, est-ce que t'as parlé au prince? J'ai pas vu. Oui, mais j'ai tué un ennemi. Ah, bah écoute, le donjon il est là, juste à droite. Mais le problème c'est que on peut pas encore. On peut y aller si on essaye de voir. Ah, oh, j'ai été gelé. Non, on peut pas y aller, Timothée. Pourquoi? Tu veux y aller comment? Pas sur le donjon? Bah, on va juste là, justement, je suis en train de regarder ce que je peux pas, mais c'est pas un autre boss. Et si je veux. Est-ce que je suis juste un autre boss? Ok, c'est bon. On va la
d'accord, je retourne en plus dedans. Bon. Ah, il y a une pierre Sheka. Au pire, on prend la pierre Sheka et on se téléporte à celui au prochain. Et go clear la zone alors. C'est plus loin. Ah, attends, il y a un petit truc là. On tente encore ? Allez, c'est parti. C'est quoi ? Coup de pelle sismique ? Vous avez acquis la technique de coup de pelle sismique assignée automatiquement à Elves sur Cadence. Ouais. Seule Cadence peut s'en servir. Elle peut désormais puiser dans son endurance pour lancer une attaque à l'appel qui frappera et étourdira les ennemis et creusera dans les murs en face d'elle sur une zone de 3x2 cases. C'est beaucoup trop cheaté. Et du coup, sur les faits. Bah écoute, est-ce qu'on ne s'arrêterait pas sur cet effet trop cheaté qui va casser Bah comme tu veux. Du coup, la prochaine fois, est-ce qu'on se dit, quand même pour minimum teaser, là-bas? Ouais, bah allez, c'est parti. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus faisable pour le moment. Bah génial. Hein. Donc sur ce, on va vous laisser là. Bonne journée, bonne soirée. Et ouais. Bonne nuit pour ceux qui regardent. De nuit, ouais, faites de beaux rêves. Oui, oh là là. J'espère que nos douces voix suaves vous endorment.